Coucou, salut les amis, bienvenue à ce nouveau vlog voyage au Gabon. Alors, je me suis un peu senti obligé de faire cette vidéo parce que simplement j'ai observé dans la partie commentaire plusieurs questions en rapport avec un sujet. Et donc, vu que la question était devenue plus ou moins répétitive par plusieurs personnes, j'ai essayé de répondre à quelques-uns en partie commentaire, sauf que finalement je me suis dit que bon, répondre de façon individuellement pouvait s'avérer difficile pour moi. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle je pourrais répondre directement à tout le monde. Alors vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur l'activité des cuisiniers au Gabon, pour ceux et celles qui souhaitent s'expatrier au Gabon. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions dans ce sens, pour savoir si cette activité peut permettre de faire vivre son maître au Gabon. Dans cette nouvelle vidéo du blog Voyage au Gabon, je vais donc vous parler de cette activité des cuisiniers et surtout vous présenter quelques business models que vous pouvez, que vous pourriez utiliser si jamais vous prévoyez de voyager au Gabon, ou alors si vous êtes déjà sur place au Gabon, si vous êtes cuisinier, ça pourrait, ces informations pourraient bien sûr t'aider à réussir à t'en sortir, à développer pourquoi pas quelque chose derrière cette activité. Déjà avant de commencer, moi je me présente, je suis Jerry du blog Voyage au Gabon. Sur cette chaîne, sur ce blog, parce qu'il y a le site internet, c'est www.voyageaugabon.com et la chaîne YouTube. Donc sur le blog et la chaîne, je parle principalement du voyage au Gabon et d'expatriation au Gabon. Je suis là pour t'aider à organiser ton voyage, avoir des informations sur le tourisme au Gabon, mais surtout t'aider, toi qui veux t'expatrier pour vivre, travailler au Gabon. Je suis là pour ça, mes vidéos ne parlent que de ça. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite simplement à t'abonner, clique sur la cloche de notification de façon à ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et surtout, laisse-moi en commentaire une question qui te taraude l'esprit. Je me ferai simplement le plaisir de répondre à ta question. Alors pour aller droit au but, pour répondre de façon claire et précise à la question qui m'a été posée par beaucoup d'entre vous sur le métier des cuisiniers au Gabon, je vais commencer par dire que comme partout ailleurs, la restauration, la nutrition, c'est quelque chose que tout le monde utilise, du moins on mange tous les jours. Donc il est évident que être cuisinier au Gabon est un métier qui permet de nourrir son maître. Ça veut dire que en clair, si vous expatriez au Gabon, en tant que cuisinier, vous n'aurez pas trop de mal à vous en sortir, à faire un chiffre d'affaires tous les mois. Alors, il y a un premier business model, c'est vrai que je l'aime pas trop ce business model, mais je vous en parle quand même parce que ici il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de vous. Il se pourrait que cela vous arrange, mais j'aime beaucoup plus parler des business qui consistent à lancer des affaires, donc dans le monde de l'entrepreneuriat. Je n'aime pas trop l'emploi parce que bon, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime plutôt pousser les gens à se lancer dans les activités et lancer leurs activités personnelles, lancer leurs entreprises et travailler pour eux-mêmes, donc être son propre patron. Donc en clair, mais quand même je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc je vais vous parler plutôt du premier business model que vous pourriez utiliser en tant que cuisinier, c'est de travailler pour des agences hôtelières par exemple. Vous pouvez travailler dans l'hôtellerie, notamment au niveau des hôtels. Ça recrute tout le temps. Si vous avez une qualification
en tant que cuisinier, vous avez une formation quelconque, un diplôme qui atteste que vous avez reçu une formation dans ce sens pour la cuisine, soit la cuisine japonaise, la cuisine française, la cuisine américaine ou encore simplement la cuisine africaine. Il y a des restaurants qui recrutent chaque jour, des hôtels qui recrutent chaque jour au Gabon. Donc ce qu'il y a à faire, c'est simplement de fouiller déjà sur internet. Il y a des sites internet qui proposent déjà des offres d'emploi, mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'ils recrutent depuis l'étranger. Ça, je ne peux pas vous l'assurer, mais je pense qu'il y a des sites internet déjà, des agences hôtelières qui proposent déjà depuis leur site internet des offres d'emploi dans ce sens. Il suffit de simplement taper par exemple Radisson Blue, Okume Palace, voilà, beaucoup de ces hôtels-là, vous pouvez aller sur leur site et regarder s'ils offrent des emplois. Alors, l'autre moyen qui permet de vivre de son métier de cuisinier, c'est bien sûr de travailler pour les particuliers. Vous savez, les boss, les chefs d'entreprise, les hommes politiques, souvent ils aiment avoir des cuisiniers chez eux pour leur faire à manger, donc faire à manger pour toute la famille. Et donc, parce que c'est parfois des familles où vraiment on travaille toute la journée, madame, tout le monde travaille, monsieur. Et donc il n'y a pas le temps de passer à la cuisine pour faire de la nourriture. Donc très souvent, ici au Gabon, vous pouvez trouver des personnalités de ce genre qui sont à la recherche d'un chef cuisinier ou simplement de quelqu'un qui est vraiment expert dans le domaine. Très souvent, ils prennent des pros, hein, ils prennent vraiment des spécialistes pour ne pas être simplement un débrouillard. Non. Donc, il faut être vraiment un pro, quelqu'un qui a une formation dans ce domaine. Et donc, il est fort possible que vous trouviez une offre d'emploi de ce genre, donc de quelqu'un qui va vous dire, par exemple, qu'il vous recrute pour vous loger, vous nourrir, mais vous devez simplement préparer, faire de la bonne nourriture, le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, le dîner le soir, vous occuper du goûter des enfants, ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième business model. Après, voilà, le premier que je vous ai expliqué, mais ça va toujours dans le monde de l'employabilité, donc c'est toujours dans l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique que vous pouvez facilement avoir une fois au Gabon. Il suffit de chercher, vous pouvez même faire le porte-à-porte, aller directement dans ces structures, faire votre, voilà, proposer vos services, concevoir votre dossier et puis voilà, proposer vos services. Maintenant, l'autre chose, c'est que, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, très souvent au Gabon, on voit des affiches collées un peu partout dans la ville. En général, au Gabon, quand les gens ont besoin de quelque chose, ont besoin d'un service, très souvent, on colle des affiches qu'on met un peu partout. Ça veut dire que si quelqu'un cherche, par exemple, un cuisinier, il va simplement mettre une affiche et dans son affiche, il va simplement dire « cherche cuisinier ». Bonjour, grand frère. Il va simplement, dans son affiche, mettre « cherche cuisinier » avec son numéro de téléphone. Et à partir de ce moment, vous pouvez simplement appeler la personne pour proposer vos services. Donc, ce n'est pas très, très difficile de vivre de son métier de cuisinier au Gabon. Donc, c'est un business model qui marche. Voilà, faire le porte-à-porte pour chercher un emploi dans l'hôtellerie ou simplement travailler pour un particulier et regarder les affiches qui sont collées comme ça dans la ville. Et puis, le dernier business model dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est de lancer son activité. Donc ça peut être son restaurant. Voilà, ça peut être son restaurant. Au Gabon, on a quelque chose qui est très courant au Gabon, c'est la cafétéria. Cafétéria, c'est un espèce de restaurant, petit mini restaurant. En général, c'est vraiment un endroit où on mange de façon rapide quand on veut aller au boulot ou quand on n'a pas le temps de cuisiner, on va rapidement là-bas.
on peut trouver manger du n'importe quoi. Ça peut être un omelette, un plat d'omelette, du spaghetti. Donc en général, c'est partout et c'est sollicité. Il y a toujours de la demande, des gens consomment tout ce qui est vendu dans les cafétérias. Donc vous pouvez, pourquoi pas, lancer ce type de business à titre personnel. Et pour ça, il suffit de trouver un local, voilà, de vous installer, d'acheter le matériel qu'il faut, frigo, gazinière, bouteille de gaz, les ustensiles de cuisine, acheter le matériel dont vous avez besoin et de vous installer et commencer à proposer des menus aux gens. Donc vous voyez, ça c'est un business model qui marche bien. Donc l'hôtellerie, donc la restauration, créer un restaurant. Voilà, après la cafette, vous pouvez carrément créer un restaurant. Un restaurant qui propose peut-être de façon simple, la cuisine africaine. Vous pouvez faire un restaurant qui ne propose que la cuisine africaine, essentiellement. Vous pouvez faire un restaurant qui ne propose que la cuisine française. À lui, par exemple, le quartier lui, il y a des restaurants atypiques. On ne trouve que la cuisine chinoise. Donc, c'est à vous de voir, il y a beaucoup de possibilités. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Pour ceux qui ont fait de la pâtisserie, par exemple, vous pouvez pourquoi pas créer, ouvrir une pizzeria, voilà, une pâtisserie. En tout cas, tous les business models que je viens de vous partager marchent, ça fonctionne. Donc, il vous suffit de vous lancer en suivant tous les conseils que je vous ai donnés. J'espère avoir répondu aux questions de toutes les personnes qui se sont posées des questions sur la question en commentaire. Et pour d'autres à qui je n'ai pas vraiment répondu aux questions, vous pouvez toujours continuer à me laisser vos commentaires en partie commentaire, vos avis en partie commentaire. Et quand je verrai qu'il y a quand même une dizaine de questions, je vais peut-être faire une vidéo pour répondre à tout le monde, pour m'éviter, n'est-ce pas, de répondre à chaque fois de façon individuelle. Donc, mais n'empêche pas que je peux toujours répondre à chacune de vos questions quand je peux le faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur le métier de cuisinier au Gabon. Voilà, si vous êtes un expert en la matière, sachez que ce que je vous ai dit peut vous aider. Et si vous voulez une formation complète pour savoir de façon claire comment est-ce que vous pouvez lancer un business dans ce domaine au Gabon, dites-le-moi, faites-le-moi savoir en commentaire. Je vais pourquoi pas préparer une vidéo avec un expert pour vous aider et je le ferai justement avec plaisir. Moi, c'est Jerry du blog Voyage au Gabon. J'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.